Bonjour à toutes et tous, c'est Blarkan. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de mon Let's Play sur le jeu Fable de journée. Ouais, c'est bien ça. Et on se retrouve après avoir massacré des tonnes de hobs pour la suite de mon aventure. Et ya, j'ai dit ya. Elle m'écoute jamais. Allez, on y va. J'ai dit ya. Ya. Voilà. On va aller un peu plus vite dans cette aventure, voyons. Voilà. Pour le moment, ça va. À part des hobs, on s'en sort plutôt bien. Je trouve. What? Oui, ne me dis rien qui vaille. Ah, c'est clair. Je le sens pas bien, là, tout d'un coup. Non, vas-y. Des hobs. Depuis quand des hobs chevauchent des taureaux? Ils sont sérieux, là? Non, mais ils sont sérieux? Allez, vite! Oh, putain. Il nous pourchasse? Il nous pourchasse. Ouais. Je veux bien, mais... Mais c'est un peu compliqué! Aïe! Je viens de prendre une truc dans la figure! Empêche-les d'approcher! Mais je veux bien, mais c'est un peu dur! Contre ces monstres. Bah, je veux bien, mais... C'est un petit peu difficile. Oh là là, oh là là. Le pouvoir du contre, mes amis, le pouvoir du contre, eh ben, c'est épique. Et c'est qui conduit, là, du coup? Si c'est pas moi. Aïe. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des trucs dans les armes pour faire péter. Ah. Ah. J'ai réussi. Ils sont tous morts. Allez, on avance, on n'a pas peur. Ah, c'est moi qui conduis. La forêt grouille de ces bestioles. J'ignorais qu'il y avait des hobs dans cette forêt. Ah ouais? Brightwood et Greatwood, oui, mais pas à Tandy. Ah, Brightwood et Greatwood. Leur présence ici est des plus inattendues. Donc du coup, c'est... on sait qui a construit ces barricades. C'est une forêt qu'on connaît pas. Manifestement, je ne suis pas la seule douée de clairvoyance. Allez, à droite. Donc du coup... Brightwood et machin sont dans un bateau. Ah, attendez, à droite. Non, je voulais m'arrêter. Putain. On peut pas tourner là? Vas-y, à droite. Je veux te soigner, la paupiette. Ah. Bon, on a arrêté de quoi se soigner. Très bien. Des mines. Sûrement l'œuvre des hommes. Oh, ça va. Approchez-vous, on y va. Allez, tiens bon, Seren. Je vais nous dégager un chemin avec les gantelets. Oh, ça a pété. Dangereux. Ça pas pété. Ah. C'est bon, c'est fini. Ce sont les derniers. Les hobs sont répugnants.
Ah, J'avais lu pas mal de choses à leur sujet, et je les trouvais déjà horribles. Non, arrête, ils sont encore pires en vrai. Ils sont trop cool. Il existe bien pire que les Hobbes, Gabriel. Oh oui, oui, oui. Ces créatures sont le fruit de la corruption. Des enfants innocents, volés à leurs parents et pervertis par des pouvoirs obscurs. On sait ça, on sait, ma paupiette, on sait. Cette porte semble plus résistante. Les Hobbes n'ont pas chômé. N'oublie pas, Gabriel, les gantelets ne servent pas qu'à détruire. Ils te donnent le pouvoir de manipuler les objets à distance. Oh non, pas les trucs comme ça, c'est relou. Je préfère péter, moi, les trucs. Ok, on va pas y arriver. Utilise les gantelets comme tu l'as fait dans la retraite spirituelle. Je sais. Oula. Et voilà. Et c'est qui le bébé? Allez, yo! Allez, on se repose un petit peu. Parce que ça pique. Attention. 3. 2. 1. Ah, il faut que j'y aille tout seul. Ah ouais. Ça me plaît pas trop, mais bon, bah on va y aller. C'est pas très grave. On n'a pas peur, nous, on est des bonnes pop. Y a pas de monstre, y a rien. T'es certain, ça? Yo! Vas-y! Attends, pas ça. Yo! Nain de jardin. Et y a pas de monstre pour revenir. Ah, je me disais bien. Oula. Wow! Le pouvoir d'électricité, ça déchire sa maman. Je vous le dis. Enfin, quand ça marche. Attendez, on va aller voir un petit peu ce que sont ces objets. Où est-ce qu'on pourrait voir? Non mais je suis là, t'inquiète pas. Objet à collectionner, voilà. Super. J'ai pas Fable Hero, donc je m'en fous. D'accord, donc c'est ça qu'on doit collectionner. Ok. D'accord, donc ça donne des informations sur l'univers du jeu Fable. Mouais. Mouais. Pas d'intérêt. Allez. Enfin, ça a un intérêt pour moi, si, quand je vais jouer seul. Mais pour vous, pas d'intérêt. Pour vous, il faut avancer. Ah. Il y a un truc pour aller... Je le connais, lui. Je l'ai croisé hier. C'est un viseur de bonne aventure. C'est du moins ce qu'il prétend. Ah. Il est gentil ou il est méchant, du coup, Tata Teresa? Allez, on y va. On va l'écouter. Ah. Nos chemins se croisent à nouveau. À qui ai-je l'honneur? Permettez-moi de me présenter. Je suis Benny le Magnifique, mais la plupart des gens... Vous appelle Geoffrey. Vous êtes un voyant à mi-temps dépourvu de tout pouvoir psychique qui gère également une affaire de décoration au détriment d'une clinique florissante de tricologie spécialisée dans la calvitie féline. Dans quelques jours, vous vous battrez pour survivre après avoir été attaqué par des Hobbes en maraude. Vous aurez alors une révélation et suite à la découverte de votre moi véritable, vous reconsidérerez votre vie. Oh, comment elle Mais parle vous mal. Vous savez déjà tout cela, n'est-ce pas? Je vis de voir...
devoir vous demander de m'excuser, car je sens que l'on m'appelle dans un autre plan de mon existence. Ah ah. Ah ça c'est... Il y avait une araignée. Une très grosse araignée, juste là, avec des crochets énormes, et... j'ai prédit qu'elle allait me mordre. Absolument, j'ai prédit qu'elle allait me mordre, oui. Bon... Eh bien, je vais vous laisser. Salut. C'était un peu cruel. C'est... Qui est le plus cruel? Moi disant la vérité ou lui mentant et hontément? D'expérience, le choix ne semble pas si évident. Mais j'ai bien aimé, Tata Teresa, elle a de la répartie, c'était très 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 drôle. C'était très drôle, j'ai bien aimé. Non, ouais, pas raté. Alors, on va aller se reposer un petit peu par ici. Histoire de reprendre des points de vie. Allez. Du repos, du repos, du repos, du repos, du repos, du repos. Allez. En plus, elle... J'ai écorché mon cheval. Oh là, ma pauvre. Ça y est, t'es guéri? Ah, bon bah, nickel. Va falloir quoi? Ah oui. C'est vrai que ces petits trucs... Ces petits trucs ne servent pas à grand chose. J'ai une question à vous poser. Je sais que vous pouvez voir l'avenir, mais comment faites-vous pour voir où nous allons? La vue, au sens physique du terme, n'est qu'un moyen parmi d'autres d'observer le monde. Mes yeux m'ont déserté, mais je vois malgré tout. Rien n'est jamais simple avec vous, pas vrai? Et on avance! Avec Blarkan. Ta-ta-da-da. Ta-da-ta-da. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais quoi? C'est fait. On peut pas avoir des... L'endroit tout entier est sous l'emprise des hobs. Oh mon Ces dieu. Ces créatures primitives font preuve d'un sens de l'organisation étonnant. Tu dois partir en éclaireur. Non mais t'es sérieuse? Trouve un moyen de passer. Non. Je suis d'accord. Non. Sûrement pas. Il est hors de question que j'aille là-bas tout seul. Mais alors là, même pas en rêve. Non. Et du coup, j'y suis tout seul. Pourquoi vous n'iriez pas, vous? Je croyais que vous étiez une prophétesse. Vous n'auriez même pas à quitter la carriole. Ah, génial. Génial. Il est génial. Il est très drôle. Ce jeu est très drôle. J'aime beaucoup. À part le côté Kinect. Demande bien où vont ces rails. Oh non. Qu'est-ce que disait toujours Catlan sur le boulot d'éclaireur? Reste pas se faire repérer. Conserve l'élément de surprise, identifie le danger, puis file sans te faire remarquer. Ouais, bah je parie qu'il pataugeait pas dans la fiente de Hob au moment où il a pondu ça. Et on dirait que je suis plutôt doué en éclaireur. Oupa. Enfoiré. Salut. Où vous êtes, les mecs? Je vous attends. Eh, je suis très très bon en contre, hein. Faute de savoir viser, c'est pas très difficile. Génial, encore des hubs. Comme si j'avais besoin de ça. Oh non. Tant pis pour l'élément de surprise. Bim. Ah
Ok, ok, je sais pas ce que je fais, mais c'est pas grave. Toi là-haut, tu m'agaces. Voilà. Hop. Alors je suis concentré, hein. Ah mince, je frappe mon micro. On va y arriver, Barkhead, on va y arriver. Oh non, non, lui il doit être important. Ok, je comprends. Ok. Wouhou ! Évidemment, j'aurais dû m'attendre à ce que les commandes de la porte se trouvent de l'autre côté du mur. Oh. Réfléchis un peu, Gabriel. Fais péter le mur. Laissez avoir par des hommes sans cervelle. Ah, les rails de la mine. Si les hommes peuvent s'en servir, alors moi aussi. Non, tu veux aller dans la mine? Oh non. T'es sérieux là? Bon, faut juste que je trouve un moyen de traverser. Perso, je me sens pas bien. J'aurais dû me douter que ce serait pas aussi simple. Ah. Ah, ça fait mal, madame. J'aurais peut-être mieux fait d'y réfléchir à deux fois. Je dois avoir la totalité des hops de Torme d'Hippotrousse maintenant. Le petit. Je me repose un petit peu. En fait, moi j'aime bien qu'il vienne au corps à corps. C'est plus facile à viser. Ah. Alors, rapproche-toi. Vive les contres! Je dirai jamais assez. Cet endroit n'a pas l'air très stable. Je suis fatigué. Oh non, pas encore lui. Ouhou! Bon, j'ai frappé mon micro dans tout ça, mais c'est pas grave. J'espère pour vous ça sera bien. Encore. Oh non, il y en a marre des hobs. Il y en a marre des hobs. Couchez! Attends, il y en a marre, j'ai dit!
Un chariot. Enfin une bonne nouvelle. Attends, c'est pas fini, mon gros. C'est pas fini. Te relâche pas. Te relâche pas, c'est pas fini. Oh oh. Oh, je le sens. Oh ça non. Ça s'annonce mal. Non, non, non. Ça s'annonce non, très non, mal. Non, 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 non. Ah enfoiré. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enflure. Allez. Le pire est derrière moi. Ouais, c'est ça. Oh là 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 là. On se croirait au Space Center. Oh non non non. Oh. Oh là 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 là. Oh, j'ai réussi à toucher personne. Ouais. Oh là 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 là. Il n'y a plus de magie. Il va falloir faire mieux que ça. Allez mec, vous pourrez pas me voir hein, comme ça. Bon pour le moment j'ai retrouvé ma vie, ça va. Je m'en sors bien, je m'en sors bien. On est plutôt pas mal. Allez. Allez, allez, allez. Oh, c'est une vraie balade de santé. Vous en pensez quoi? Où est le train? Où oh. est le train? Ah, oh. Oh. Ah. Me voilà de l'autre côté de la porte. Exactement comme prévu. Oh non, il y a un... Oh non. Au secours! Ça, c'est pas Hob. Non. Allez, allez, on l'est fini. On l'est fini. Bah j'arrive, j'arrive. Bon, c'est clairement pas un Hob. Tenez bon, j'arrive. Ouais, faites-moi mais... descendre, bande de vauriens. Je veux descendre tout de suite. Putain. Putain, mais t'en as pas marre de me frapper, toi. Vous allez bien? Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça fait juste 2 jours que je suis pendu par les pieds. J'ai la tête qui va exploser. Je crois que je me suis démis la hanche. Et à part ça, tout va bien. Bon, bah... Attendez, je vais vous faire descendre. Merci bien, petit. Et comment on fait? Comme ça. On fait comme ça, et après j'ai fini. Désolé, je voulais pas vous faire mal. Ça va? Non, tout va bien. Vraiment. Oh, une simple petite fracture. D'accord. Rien de bien méchant. Ok. À terre! Vite.
Non, comme il y en a encore d'autres, mais non, vous êtes sérieux là? Oh là là. Je me repose. Hop là, voilà, je me suis reposé. Il y en a marre. Très impressionnant. Salut Fergus. Ça faisait un bail que j'avais pas vu de magie dans le coin. Ouh, ça doit faire mal. Oh. Ça a dû faire mal. Merci, mon garçon. Moi, c'est Fergus. Sans toi, j'ose même pas imaginer ce qui me serait arrivé. Ouais, tu serais mangé comme un rôti. Hop. Ils sont malins. Je demandais rien à personne, je marchais tranquillement dans la forêt à la recherche de ma... De ta quoi? Et toi, comment t'as atterri ici? J'ouvre le chemin. Carriole, elle est de l'autre côté de la porte. Suivez-moi. Je vais vous montrer le chemin. Laisse-moi faire, petit. Et voilà, mon garçon. Je vais pouvoir l'ouvrir maintenant. Ok. Ok, ok. Mon pauvre. Et voilà. J'ai trouvé un... Teresa ? J'ai ouvert la porte ! En route ! Ça va ? Bien. Nous ne pouvons nous permettre de nous... Oui, c'est Fergus ! Il était retenu prisonnier dans le camp, mais je l'ai sauvé. Nous devons repartir. Il fera bientôt nuit. Bon, bah, je ferais mieux de rentrer chez moi. Merci encore, petit. On peut vous raccompagner ? Gabriel, monte dans la carriole. Ma carriole, vous voulez dire. Montez ! Ah ! Merci encore, mon garçon. En route, très belle ! Je sens pas le Fergus tout d'un coup. Mais on va s'arrêter là. On va prendre une amélioration. Ah, je suis là, t'inquiète pas, regarde. Tu me vois plus. Voilà, tu me vois. Donc on va s'arrêter ici parce que cet épisode a été très très éprouvant pour moi. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Éclair en folie. Votre gars peut rebondir si... Et trois autres. Ok. Je pense que je vais prendre ça. L'homme en fer blanc. Apporte un cœur supplémentaire. Non, je vais prendre ça. Ouais. Parce que je me sers pas mal du sort de foudre. Et donc ça peut être pas mal. Surtout si je peux toucher plusieurs ennemis à la fois en fait. Ça sera plus facile pour moi. Donc en attendant, bah j'espère que ça vous a plu, c'était assez épique, c'était assez épuisant. N'hésitez pas à mettre un pouce vert, un commentaire ou de partager la vidéo si ça vous a plu. Je vous souhaite en tout cas tout plein de bonheur, je vous dis à ciao tout le monde et merci de m'avoir regardé. Allez, à plus tard, bye bye.